Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va bien? Oui, allez, on met le petit soleil dans son cœur, on se cherche. Même s'il fait complètement noir, il faut rester positif. Moi, je suis ravie, je démarre la nouvelle promotion de coaching. Je me réjouis de découvrir, je connais chaque personne, mais je me réjouis de découvrir ce que ça va faire ensemble. Quel beau groupe ça va créer, quelle énergie, quelle synergie. Ah, je me réjouis, mais je sens déjà que ça va être des êtres de cœur. Individuellement, ils sont des êtres de cœur, donc j'ai aucun doute sur le fait que le groupe le soit. Alors, j'ai reçu plusieurs messages, mais oui, surtout, 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 refaites une programmation EFT. On fait pas de EFT dans cette programmation-ci, mais ici, on est juste en train de créer de nouveaux circuits de vibration, c'est-à-dire je me connecte à une autre énergie que plutôt que qui va dans ma vie. Ah, mais j'ai déjà tout ça, je suis privilégiée. Et donc, ce qu'on est en train de faire avec ce boost, c'est créer de nouvelles vibrations pour attirer autre chose à nous. Par contre, avec cette programmation-ci, on ne nettoie pas. Donc, on est déjà en train de mettre des meubles propres. La maison n'est pas encore tout à fait nettoyée, donc continuez à nettoyer. Donc surtout, 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 voilà, refaites une autre programmation EFT puisque c'est 5-10 minutes, donc ça vous fait, allez, plus ou moins 20-25 minutes par jour. Ou simplement, vous refaites une vidéo complète dans les 177-178 vidéos qu'il y a déjà postées. Donc voilà, prenez bien le temps de vous occuper de vous. En fait, plus vous vous occupez de vous, plus vous investissez dans vous, plus vous investissez dans votre avenir. Donc le temps que vous perdez à faire des méditations, à faire de l'EFT, à faire de la gratitude, c'est tout ce que vous êtes en train de semer. Et dans les 6 mois, vous allez voir les fameuses récoltes qu'il va y avoir, hein. Donc, c'est super important de bien rester dans ce travail. Je dis travail, mais voilà, c'est plutôt un cheminement. Allez, vous êtes prêts? Prêtes? On est parti. Donc, comme les autres jours. Et oui, j'ai oublié hier de faire lumière. J'espère que vous l'avez fait, ou sinon, on le fera ensemble aujourd'hui. Et d'abord, on va aller respirer, hein, faire une mini méditation pour nous aider aussi à aller décalcifier la glande pinéale, c'est-à-dire la réactiver, réactiver notre troisième œil. Alors, pour rappel, quand je vais inspirer, en même temps, je vais contracter mon périnée et puis le ventre. Le muscle, pardon, du bas de mon ventre. Et puis, je vais essayer de rentrer mon nombril comme si j'essayais de toucher ma colonne vertébrale, sans forcer, hein, sans faire du mal. C'est juste, je rentre. Et puis, je contracte mes abdos du haut. Et puis, je sens que la respiration passe dans ma gorge jusqu'au sommet de mon crâne. Quand je suis au sommet de mon crâne, je bloque ma respiration. Je baisse mes épaules, je contracte un peu plus le bas, et je relâche. Ok? Allez, on y va. On inspire, on contracte. Jusqu'en haut, je bloque, je baisse les épaules, je contracte un peu plus fort, je relâche. J'inspire et je contracte le bas. Rentre le ventre. Gorge. Tête. Je baisse les épaules. Je contracte un peu plus fort. Je relâche. Ok? Allez, on y va ensemble.
encore deux fois? Voilà. Bien. Cette méditation, cette respiration demande de l'entraînement. Donc ça ne fait que 2-3 jours que vous le faites. Donc rassurez-vous, il y a un moment où vous serez moins que vous le faites. Hein? Donc ça sera beaucoup plus souple. Tel un yogi, vous serez zen. Allez, on va mettre les deux mains sur le cœur. Alors je regarde, puis voilà la première phrase. Merci à l'univers pour toute sa protection. Merci pour tout cet amour que je reçois. Merci pour ce toit qui me permet d'avoir chaud et être en sécurité. Merci pour tous mes sens qui fonctionnent. Tu veux bien lâcher, on intègre, hein? Merci pour toutes les aides et personnes qui ont été mises sur mon passage pour mon évolution, pour grandir. Pensez à sourire quand vous dites les phrases. Merci pour cette nourriture pour moi et les miens. Merci pour toutes ces vibrations positives. Merci pour toute cette volonté et détermination. Merci pour toutes ces médecines douce, allopathique, alternative, y compris la médecine classique, qui me permet de guérir. Merci pour toutes les prises de conscience qui me sont offertes. Merci d'être différente et tellement privilégiée. Merci à tous ceux qui ont partagé mon passé, mon présent et qui m'ont donné tellement d'enseignements. Merci pour ces enfants magnifiques, petits-enfants, neveux, nièces, filleuls ou tout autre. Merci de pouvoir manger sainement,
tel que j'en ai besoin. Merci d'être en vie tout simplement. Merci d'avoir ce pouvoir de décision et de choix. C'est bien. Ouh, ça bosse aujourd'hui. Merci pour tout l'argent que j'ai reçu et tout ce que je vais recevoir. Merci pour ce travail, de pouvoir travailler et honorer mes factures et m'offrir. Merci pour ce couple dans lequel j'apprends à m'épanouir. Merci pour avoir accès à tous ces loisirs, culture, théâtre, sport. Merci à ce corps. C'est mon meilleur ami. Merci pour tout ce qu'il me permet de faire. Merci pour cette merveilleuse nature que nous pouvons contempler dans ce ciel, ces arbres. Merci d'être libre et de pouvoir choisir sa vie. Oh là 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 là. Mais vous êtes super puissant aujourd'hui. Merci pour tout ce système de guérison, personnel et extérieur, qui me permet de guérir et d'évoluer. Merci à l'univers de me guider sur mon chemin vers ma mission de vie. Je te fais confiance et je lâche prise. Merci à la vie et à toute l'énergie. Merci et encore. Hein, ça c'est une délicieuse dame que j'ai rencontrée au Québec et elle disait toujours merci pour tout ce qui est et encore. Et ça voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. Alors, il y a quelqu'un qui m'a réécrit en disant mais j'avais mis dans ma liste merci d'avoir rencontré Nathalie. Alors, merci, vous êtes plusieurs à avoir mis dans votre liste un merci pour moi, mais je me sens pas très, très à l'aise avec le fait de dire merci Nathalie parce que voilà, je trouve pas ça très humble. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis merci à toutes les personnes qui m'aident et qui m'aident à évoluer. Donc, il n'y a pas que moi qui est dans votre vie. Il y a vous d'abord et puis aussi toutes les autres personnes, même celles qui nous ont fait des mauvais coups parce que voilà, ça nous apprend à pouvoir être nous-mêmes. Donc, voilà. Merci de partager cette vidéo. Merci de la liker. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de la merveilleuse personne que vous êtes. Je vous aime.